Octobre 1956. L'Europe, ce grand corps malade, faisait une brusque poussée de fièvre, la plus grave depuis la dernière guerre. La tragédie de Budapest allait faire vivre au monde des heures angoissées. Ces quelques images appartiennent à l'histoire et raviveront vos souvenirs. Des nouvelles de plus en plus alarmantes commençaient à circuler, décrivant les inhumaines conditions de la lutte, les blessés râlant parmi les cadavres gisant sur la rue, les médicaments qui manquaient. Les incendies qui faisaient rage un peu partout. Et dans la capitale, aux murs éventrés, aux façades béantes, au milieu de cet orage de sacrifices, le spectre menaçant de la famine. Un peuple entier privé de tout allait connaître les affres du chaos. Le 28 octobre, la Croix-Rouge hongroise débordée, impuissante devant l'ampleur de la tâche, appelait à son secours le Comité international de Genève. Celui-ci, étroitement secondé par la Ligue des Croix-Rouges, lançait un urgent appel à 26 sociétés de Croix-Rouge susceptibles d'aider la société sœur de Hongrie. Une fois de plus, le Comité international allait remplir sa mission d'intermédiaire neutre. La Ligue coordonnait les secours du monde entier. À l'heure du tocsin, la Croix-Rouge a les réflexes prompts. C'est même la principale et la plus efficace de ses qualités. Devançant et prévenant l'extraordinaire mouvement de compassion qui allait soulever le monde, des appels innombrables furent lancés par la radio, la presse. Des collectes s'organisèrent partout. On s'imposa des semaines de privation. L'Autriche mobilisa ses volontaires. Dans tous les pays s'exprimait le même désir de venir en aide. Partout la même générosité spontanée. Il vint du charbon de Bulgarie, du thé de Colombie, du sucre de Yougoslavie, du coton de la Corée, des draps du Portugal. Il vint de la viande d'Irlande, des souliers, du riz d'Italie, des vitres et du ciment de Pologne, des raisins de Grèce. La République fédérale allemande envoie une clinique mobile transportée sur camion. L'Allemagne de l'Est, 11 unités de premier secours. Les Italiens, des dispensaires mobiles comportant 4 salles d'opération et 2 infirmeries. Les Danois, un hôpital de 200 lits dont ils firent don à la Croix-Rouge hongroise. Les Suisses prêtent un train spécial pour le transport des grands blessés. Le Comité international, la Croix-Rouge suisse et la Pologne organisent un pont aérien pour le transport des premiers secours. Dans 10 pays, dont le Danemark, l'Angleterre, les États-Unis, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, on trouve des contributions volontaires qui dépassent à chaque fois le million de dollars. Le Luxembourg et le lointain Japon organisent des collectes dans les rues. L'Australie, la Suède, le Danemark, la Belgique expédient leurs colis par avion. Dans 59 pays du monde, des gens de toutes classes et de toutes conditions donnèrent. Des enfants ont placé leur tirelire, des employés, des ouvriers ont donné un jour de leur travail. 59 sociétés de la Croix-Rouge formèrent ensemble, à ce moment-là, l'une des plus gigantesques coalitions de dévouement et de bonne volonté que le monde ait jamais connue. Réceptionnés par la Ligue, ces dons innombrables se rassemblèrent à Vienne, dans des entrepôts hâtivement aménagés par le gouvernement et la Croix-Rouge d'Autriche. De là, le Comité international prit en charge les convois routiers venus souvent de sociétés de Croix-Rouge de l'autre bout de l'Europe et les amena jusqu'à Budapest. Tous les moyens de transport furent utilisés. Au
péniche qui descendirent lentement le cours du Danube jusqu'aux avions dont la rapidité permit l'apport de médicaments de première urgence, du plasma de Tchécoslovaquie, de Belgique, de la pénicilline d'Espagne. S'empêcher de penser aux paroles prophétiques qu'Henri Dunant, ce génial fondateur de la Croix-Rouge, écrivait en 1862. N'y aurait-il pas moyen, pendant une période de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés, par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre? À une époque où l'on parle tant de progrès et de civilisation, et puisque malheureusement les guerres ne peuvent toujours être évitées, n'est-il pas urgent d'insister pour que l'on cherche dans un esprit d'humanité et de vraie civilisation à en prévenir, ou tout au moins à en adoucir les horreurs? Octobre 1956. Les premiers convois amenés par le Comité international de la Croix-Rouge arrivent à Budapest. Novembre 1956. Après quelques jours d'accalmie seulement, les combats reprirent à Budapest. Ils firent rage durant 4 jours, et la mort à nouveau faucha sa moisson. Conséquence de ces combats, les aérodromes furent occupés militairement, les frontières fermées et l'acheminement des secours interrompu. Autre conséquence, l'exode. L'exode massif de la population hongroise hors de sa patrie. Les unités de Croix-Rouge venues de plusieurs pays, hôpitaux, infirmeries, centres de distribution de secours, durent quitter brusquement le territoire. Plus rien désormais ne pouvait pénétrer en Hongrie, sur laquelle retombait la chape du silence. Cependant, à Genève, le Comité international de la Croix-Rouge, privé de toute nouvelle de ses délégués à Budapest, ne s'avouait pas battu. Sa mission essentielle étant d'agir lorsque personne d'autre ne peut plus rien faire, le Comité international multiplia ses démarches auprès de l'autorité soviétique et du gouvernement hongrois. Dans le même temps, il créait de toutes pièces, improvisait en un temps record et envoyait à Nikelsdorf, à la frontière austro-hongroise, une petite colonne de camions qui devait à tout prix essayer de parvenir jusqu'à Budapest. Du succès de cette première opération allait dépendre toute la distribution ultérieure des immenses quantités de secours accumulées à Vienne pour les villes de Hongrie. C'est que l'hiver était venu. Ces neiges et ces glaces aggravaient encore les souffrances d'une population exténuée. Il fallait réussir. L'effort admirable accompli par les sociétés de la Croix-Rouge
ne devait pas tourner court et s'arrêter si près du but. Les principes qui guident le comité international depuis la naissance de la Croix-Rouge devaient une fois encore être défendus. Charité entre les armes n'est pas une vaine devise. La douane est là. Les barrières fermées vont-elles s'ouvrir devant les camions blancs? Deux jours d'attente angoissante. Elles se sont ouvertes. L'impossible s'est accompli. Les armes ont cédé devant le signe d'Henri Dunant. 1000 autres camions vont suivre. Et l'œuvre d'entraide de tant et tant de peuples pourra s'accomplir et prodiguer ses bienfaits. Ainsi, à Budapest, seule institution internationale admise à y travailler, le comité international, avec l'aide dévouée de la Croix-Rouge suisse, put amener tant par camion que par train ou par bateau près de 25 000 tonnes d'aliments, de vêtements, de matériel sanitaire et de reconstruction, apporter à près de 200 000 enfants en bas âge et à leur mère le lait qui leur est nécessaire, secourir les enfants des écoles, les vieillards, les isolés, distribuer 2 millions de colis de vivres à la population. La Croix-Rouge était cependant loin d'être au bout de ses peines. Le problème des réfugiés restait entier. Le 15 novembre, il y en avait 25 000 en Autriche. Une semaine plus tard, on en comptait 50 000. Le 1er décembre, ils étaient 100 000 et 150 000 à la veille de Noël, sans compter les quelques 20 000 qui arrivèrent par la suite en Yougoslavie. Les admirables volontaires de la Croix-Rouge, malgré tout leur courage, étaient harassés de fatigue. Et seuls, submergés, ne pouvaient plus faire face à la situation. Le comité international et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge décidèrent alors de se partager la besogne. Le CICR se consacrant à l'aide à la population en Hongrie et la Ligue s'occupant de la plus grande partie des réfugiés. Les besoins dépassant les moyens de l'Autriche, un accord fut signé avec le gouvernement de ce pays, au terme duquel la Ligue allait dorénavant se charger de l'entretien des réfugiés, ravitaillement, vêtements, soins médicaux et infirmiers. La tâche est énorme. Un seul chiffre l'illustrera. Il faut chaque mois 700 tonnes de vivres pour nourrir les camps de réfugiés. Pour y parvenir, une quinzaine de sociétés de Croix-Rouge mirent à disposition auprès de la délégation de la Ligue à Vienne, à leurs propres frais, une trentaine d'équipes de 7 membres au moins, réparties sur tout le territoire autrichien. Des spécialistes des questions de secours sont ainsi venus de Suède, des États-Unis, de Belgique, de France, du Danemark, de Suisse, des Pays-Bas, de Monaco, du Canada, de Grande-Bretagne et d'autres pays encore. Sous l'égide de la Ligue, des équipes aux multiples passeports. Mais des hommes et des femmes mus par un même idéal et qui écrivent ensemble une nouvelle page de la vivante histoire de la Croix-Rouge. Noël 1956. Dans les camps d'Autriche, de nombreux petits réfugiés attendaient avec appréhension la grande fête des enfants. Au fond de leur misère, n'allaient-ils pas être oubliés? La Croix-Rouge de la jeunesse y pensa, entre autres celle d'Allemagne, qui leur envoya à eux et rien que pour eux, un plein camion de jouets. Parmi toutes ces actions, celle-ci n'est-elle pas ravissante? Deux cent mille réfugiés.
Malheureusement, tandis que la Croix-Rouge se penche sur leur détresse présente, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Comité intergouvernemental pour les migrations s'occupent de leur reclassement. Près de 30 nations ont déjà accueilli des réfugiés. Ceux qui restent dans les camps d'Autriche vont repartir, eux aussi, vers d'autres horizons, accompagnés par des volontaires qui les auront ainsi accueillis lors de leur exode, qui les auront réconfortés, nourris et replacés dans une vie nouvelle. Pour ceux-ci, comme pour tant d'autres, une idée, un moyen les aura secourus, accompagnés tout au long de leur odyssée. En 1957, comme en 1863, ce moyen, c'est une croix rouge sur fond blanc.